assis sur le trône. Les eaux s'agitent, l'océan rugit devant le Seigneur. Et notre bazar. Like in Lion Adam, seated on the throne. Mountain bow down, covered with honor, clothed in royal robes. Praise Adonai from the rising of the sun. To the end of the day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the sing praises to Him. The nations of the earth, all the sun of the moon, sing praises to Him. Who is like Him, Lion and the Lamb, seated on the mountain Bada, every ocean draw, for the Lord of God. Oh, it's like a lion and a lamb, sitting on the throne. Mountain Bada, every ocean draw, for the Lord of God. To the end of every day, praise Adonai. For the nation of the earth, of the earth, sing praise to Him. For the rising of the sun, to the end of every day, praise for the angels and the saints, for the rising of the sun, to the end of every day, praise Adonai. For the nations of the earth, for the angels and the saints, for the rising of the sun, the end of every day, praise Adonai. For the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise Adonai. For the rising of the sun, the end of every day, praise Adonai. For the nations of the earth, for the angels and the saints, sing praise to Yah. Who is like the Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountain Bada, every ocean roar, for the Lord of God. On the throne, mountain Father, every soul, Lord, we are
On est heaven all the soul. We are the leader. Praise Adonai. On est heaven all of the earth. On est heaven, yes, and it's a sing. Adonai. On est heaven all of the soul. We are the leader. Il est le roi des rois. Si les nations y veulent, s'il ne veut pas, il y a une nation qu'il a. Cette nation s'appelle Israël. Hébreu, Israël, doit le reconnaître, doit le adorer. Alléluia. When we continue to worship and adore and praise our Elohim from generation to generation, if the nations refuse to worship him, there is a nation that he has made by himself. That nation is called Israel, Hebrew Israelite. The Hebrew Israelite will continue to worship and adore him. They try to steal our identity, but this day, Elohim have come to restore it. Ils ont essayé de voler notre identité, mais aujourd'hui, Abba Yah, il a restauré l'identité de son vrai nation. Alléluia. They try to steal away our identity. But our Elohim, our Abba Yah, is almighty, all-knowing Yah. He is restoring and have restored the true identity of his own nation. May his name be highly exalted. Thank you, Abba Yah. Receive all glory. Receive all adoration. Receive all praises. Receive all thanks. For you are the Lord, unchangeable. You are a covenant keeping Elohim. You are the Lord that keepeth your words. You speak it, you watch over it, and you bring it to come to pass. Abba Yah. C'est lui, il est Abba Yah. Ils ont pensé que il va renverser et voler et changer ça qu'il a fait. Non! C'est Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde sa parole. Il relâche sa parole. La Bible dit qu'il garde cette parole jusqu'à il va réaliser sa mission. Sa mission, même s'il fait 10 ans, même s'il fait 1000 ans,
La mission de cette parole, il garde ça jusqu'à son temps, il va arriver, il va accomplir. Alléluia. Il dépasse tout la créature. C'est lui qui nous a créé. C'est lui qui a créé Lucifer. Lucifer ne peut pas lui dépasser. Yeshua, il a dit, Matthieu 23, il dit, le sauvage ne peut pas dépasser son maître. C'est Lucifer. C'est le démon. C'est lui qui vous a créé. Vous ne pouvez pas lui dépasser. Alléluia. Amen. That's what he said in Matthew 23. Hey, yeah. He's the one that created Lucifer. He's the one that created demons. He's the one that created all powers. Yeshua says, remember, a servant can never... He does know how you can play all your intelligence and acquire intelligence and pass your master. Master, remaining master. Organ, Oga. And Elohim is the Oga. Abaya is the Oga of Lucifer and everything. Lucifer cannot depass him. Hallelujah. May his name be highly exalted. Seigneur, prends contrôle. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, King of Glory. Thank you, Omnipotent, Omnipresent Father. We give you all glory. We give you all glory. Thank you, Lord. Every power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Assemble to fight this ministry. Rassemblé pour combattre ce ministère. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Assemblé pour combattre ce ministère. Rassemblé pour combattre ce ministère. Sois rompu par le tonnerre de Dieu. Rompu. Every power that I've gathered, that I'm gathering, to fight this ministry. Papa, let them rubbish my thunder, my fire. Rubbish them in the name of Yeshua. Rubbish them. By thunder, by fire. Rubbish them. Thank you, Abaya. Oh no! Puissant de Yeshua à ma chère à vos prières. Envoyez Satanie. Contre cette église. Every satanic agent. Send against this ministry. Send against us. Fall down and die by fire. Every agent of Lucifer, Luciferian agent that have been assigned, that have been sent out against this ministry, fall down and die. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Every satanic blindfoldness. Tout aveuglement satanique. Il a été utilisé contre le peuple de Dieu dans cette vie. Il a été utilisé contre le peuple de Yah dans ma famille. Lord of Yeshua HaMashiach.
tear it off by fire. Déchire par le feu. Déchire. Au nom puissant de Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you. In the name of Yeshua. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, la voix prière. Every witchcraft assignment against us. Every witchcraft assignment against us. Backfire. Oh non, puissant de Yeshua Hamashiach, la voix prière. Luciferian assignment against us. Backfire. In the name of Yeshua. Thank you, Abaya. Oh no, puissant de Yeshua Hamashiach, na voix prière. Every Babylonian assembly. Every Nephilim assembly. Against us. Scatter to disgrace. Despise under disgrace. Assembly the Babylon. Assembly the Nephilim. Continue. Disperse and disgrace. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Oh no, puissant de Yeshua Hamashiach, à vos prières. Abaya. Délivre ma placenta. Et mon cordon ombilical. Dans le bondage. Délivre. Papa, délivre mon cordon ombilical et mon placenta. Dans le bondage, dans la servitude, dans l'esclavage. Papa, délivre. Abaya, deliver my placenta. My umbilical cord. In servanthood. In bondage. In servanthood. Everywhere it is. Papa, deliver. Set my placenta, set it free. From any prison, satanic prison, from demonic prison, from witchcraft prison, from family prison. Deliver. Dans la prison familière. Tout à droit. Ils sont liés. Ton cordon ombilical, ton placenta, dans ta famille, dans ta lien familier, d'imaginer Yeshua Hamashiach par son sang. Libère. Délivre. Dans cet hôpital, là que tu es né, dans cet hôpital, in that hospital, where you were born, anywhere, in any hospital, in the hand of any doctor, any demonic doctor, any satanic doctor, wherever they are tying your placenta, they are tying your umbilical cord, that of your children, umbilical cord and placenta. I command them now, be set free from that bondage, be set free, disperse free, tout endroit,
dans l'hôpital, dans cet hôpital, cet hôpital que tu as ni, cet hôpital que tu as ni, cet hôpital que tu as couché tes enfants, que tu as couché tes enfants, tout en doigt, dans la main de n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui est ta placenta, ton cordon ombilical, dans les mains, dans les couvaux, je demande la liberté par le sang de Yeshua, que le sang de Yeshua, que le sang de Yeshua libère, libère, libère ta placenta, placenta de tes enfants, libère-les, 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 dans ces couvaux, dans ces couvaux. Au nom puissant de Yeshua, Amasha, dans vos prières. Amen. Merci, notre Père. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Amen. Tu vas encore prier, Seigneur. Continue de réveiller moi tout ce que je dois connaître. Amen. Toute la vérité que tu as en train de réveiller pour réveiller tes enfants, papa. Continue de me réveiller tout. Pray and ask the Lord. Papa, continue to reveal all the truth that you are using to wake up your children now. That I need to know, Papa, continue to reveal it to me. Reveal, 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 reveal. Reveal it, reveal it, reveal it. Reveal it, reveal it. And give me understanding. Give me understanding. Et donne-moi la sagesse pour connaître. L'intelligence pour connaître you. Donne-moi tout ce que j'ai besoin. La mémoire et tout. Papa, donne-moi. Par ta miséricorde, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, Amashan, dans vos prières. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Asseyez-vous. Thank you, Abaya. Thank you, King of Glory. We worship you, Lord. We reverence you. For there is none like you. Thank you. Thank you, Lord. Father, come and take control. Come and glorify your name. We worship you because you are Adonai. You are the King of Kings. You are the Alpha and Omega. There is no one like you. Receive all glory. Receive all honor. For the song says, who is like on you, O Lord? Who is like unto you? The lion and the lamb that seated on the throne. Mountains bow down before you, and every ocean roar to the King of Kings and the Lord of Lords. To Abaya, we worship you, Lord. May your name be highly exalted. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va toucher un message très, très important. Très, très important pour tous les vrais enfants de Yeshua HaMashiach. Today, we go to touch into another powerful revelation. C'est une grande révélation. A very powerful revelation for the true Hebrew Israelite, for the children of Elohim, children of Yah. Hallelujah. We thank him for making us to know what Hallelujah is. Je lui remercie pour nous faire comprendre ça que Alléluia, il est. Alléluia. Donc, les gens qui ont dit de discuter, ils vont maintenant comprendre. Quand tu écoutes notre message, tu vas maintenant comprendre ça que Alléluia, il est. Mais la majorité des gens qui disent qu'ils sont chrétiens ne connaissent pas ça qu'Alléluia, il est. Même nous aussi, on ne comprend, on ne connaît pas. On dit seulement cet mot pour dire. On ne sait pas. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas qui, on ne connaît pas. Alléluia, on ne sait pas que son nom c'est Yah, et c'est lui qu'on a en train de louer. Alléluia. Aujourd'hui, là, ils nous ont dit de réveiller ça, mais les gens ont en train de discuter. Mais quand il va écouter, maintenant il va savoir que. Hein? Donc, Alléluia, que Dieu dit toujours là, c'est Yah. Alléluia. That's it. We give God glory that he have revealed it to us, he has made us understand. Alléluia, alléluia that you are saying. Majority, I will say 99%, they are in the churchineers, they are churchineers and religion. They don't even know the meaning of, even their pastors upon all their university scholar and schools of Bible, they open everywhere. Cambridge Bible schools. Cambridge Bible schools, that's what we hear. They don't even know what is the meaning of Alléluia. Hallelujah. The Lord have revealed it to us and we give him glory. Praise him for it. That Hallelujah is Yah, is the name of Yah.
And when we are saying hallelujah, we are, hallelujah is praise Yah in Hebrew. Praise Yah. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, on comprend maintenant que hallelujah, c'est Hébreu. Langue de Hébreu, c'est louer Yah. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas. Il va à l'école pastorale, il a tout, séminaire et tout, il ne comprend pas. Que Dieu soit glorifié. Thank you, Abba Yah. Aujourd'hui, on va voir quelque chose dans la parole de Yeshua HaMashiach. Notre révélation. Le Seigneur continue de réveiller toute la vérité à ses enfants. On nous prépare. Parce que le temps est en train d'approcher. Et tu ne veux pas voir cette opportunité. Je n'ai pas envie de vous dire ça, mais on va voir ça aujourd'hui dans la Bible. Alléluia. We thank Elohim to assemble us again today to hear his raw word. Unpolluted, unmodified word of Elohim and the biblical prophecy. Alléluia. On va encore attendre, écouter aujourd'hui la parole de Yahusha qui n'est pas modifiée, qui n'est pas ménagée. C'est sa parole et c'est aussi la prophétie qui va aussi arriver. Il a déjà commencé de venir. Il a déjà commencé de manifester. Dans ce message, tu vas confirmer ça maintenant. Inside this message now, you will confirm this prophecy. Alléluia. Le livre de Amos. Elohim, lead us, guide us, let the Spirit take control. In the name of Yeshua. We're going to the book of Amos. Amos 8, we read from verse 9. Amos 8, à partir de verse 9. Amos 8, from verse 9. Si quelqu'un est là-bas, aide-moi à lire. Amos, chapitre 8 et verset 9. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'auspicierai la terre en plein jour. Verset 10. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toujours les têtes. Je mettrai le pied dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel. Quand il déclare ça? Yeshua Mashiach. Quand il dit ça? Le Seigneur. Aha. Who is speaking there is Elohim. Elohim is the one speaking. Hallelujah. It is not your government, ce n'est pas ton chef d'État que vous avez la confiance dedans. It's not your chief d'État. It's not your president that you are having confidence on, or the politicians of this world, ni le politicien de cette monde que vous avez la confiance avec. Or the politicians of this world that you have confidence with. No. Allez-y. It's not them that are speaking, it's Elohim. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine. Behold, the days come, say the Lord Elohim Abba Yah, that I will send a famine. J'envoie la famine. Dans le pays. In the country, non pas la fin du pain. It is not the famine of food. Et la soif de l'eau. Not of water. Mais la faim de la et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. It is the test, but the test of hearing the word of Yah. It will be scarce. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas trouver où que tu vas écouter la parole de la vérité.
C'est la vérité. C'est pas n'importe quelle parole. La vérité va disparaître. It's not anyhow a church. It's not church matter. Where the sound message and sound doctrine of Elohim is preached, not find it anymore. Alléluia. C'est pas église. Vous les membres l'église, l'église ya. Jésus catholique, Jésus romane, Jésus évangélique, Jésus pentecôte, Jésus n'importe quoi. C'est pas ça qu'il parle. Son apparence, son évangile, la vraie doctrine qui va t'amener dans le paradis, il va lui-même va retirer ça. Alléluia. Amen. I myself said he himself. This is not matter of I am a Pentecost, I am Catholicism, I am evangelic, I am Orthodox, I am K, I am Anglican, I am the method, I am Seller, I am whatever you like you are. Elohim is one prophesy here. This is the prophecy of Elohim through Amos. That's why I don't joke with biblical prophecy, which all of your pastors have wiped away. Babylon's wipe it off. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'amuser avec la prophétie de la Bible. Que tous votre pasteur avec Babylone et Néphilim sont essayés de enlever, en train de nous donner le message de miel. Miel, Dieu c'est bon, Dieu c'est Dieu de l'amour. Dieu ne veut pas nous détruire. Il nous a donné la vie, on doit utiliser notre vie bien. Il est gentil, il est romantique, donc habillé sexy pour lui plaire. C'est pas lui. Alléluia. Il va retirer le vrai doctrine, le vrai évangile bientôt. Et santé d'aller. Alléluia. Amen. Go on. Verset 12. Uh-huh. Ils erreront alors d'une mer à l'autre. And they shall wander from the sea to sea. That means people will be traveling to seek for where they will get the word. They will get there, it's not truth. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les gens, ils vont voyager pour chercher la vérité. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont dire que ça, c'est pas la vérité. Ah, le monsieur là, on pense qu'on dit qu'il prêche la vérité. Regarde comment on a dépensé tout notre argent à l'arrivée ici là. C'est pas la vérité. They will travel from sea to sea. They will move. Ah, we heard that in Nigeria, one man is preaching truth there. Let us go there and go and stay there and listen to the truth. They will get there. When they will get there, what they see there is worse than where they run away from. They will say, this is not the truth. Oh. We know the truth. When those people are preaching the truth, where are they? They will go there, they will not see them again. Eva, prends l'avion, voyage, allez au Nigeria, allez partout. Ah, on a entendu qu'il y a un homme de Dieu ici qui prêche la vérité. C'est pour ça qu'on a venu. Mais quand on est arrivé là-bas, il est même plus que vous que nous, on a quitté. Ah. Nous, on connaît les pasteurs qui prêchent la vérité, mais le problème, c'est qu'ils ont tous disparu. Donc, tout l'argent qu'on a dépensé, venir ici, là. Oh, non. Allez-y, go on. Du nord à l'est. Tu as vu? Comment ils vont voyager? Du nord à l'est. You see how they will travel? North, south, east, west, looking for the truth. Il va voyager, non, sud, l'est, et tout, partout, en train de chercher la vérité. Ok, allez-y. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ok. Et ils ne la trouveront pas. Ok. Verset 13. Uh-huh. Ce jour-là, in that day, les belles jeunes filles, the young youth, et les jeunes gens mourront de soif. Thank you. Vous les jeunes, c'est sexe, non? Vous êtes en train de manger le sexe maintenant, non? Tu penses que tu es belle.
Toute la vérité qu'on t'a dit de dire, on vous a dit de dire, vous jetez ça. Le Seigneur dit, un jour, sept jours, on va chercher la vérité là. Alléluia. Quand vous allez commencer de voir comment vous pensez que vous êtes jeune, non? Je suis encore jeune, je suis encore jeune, je suis belle, je ne vois pas comment je suis sexy. Attends, le Seigneur dit, quand tu vas voir comment les jeunes vont commencer de mourir subitement, quand tu vas voir comment ils vont commencer de mourir subitement, tu vas maintenant commencer de paniquer, que je ne sais pas si c'est moi qui est nest. Et j'avais entendu qu'il y a les gens qui prêchent, qui disent, qui nous avaient parlé de Jésus-Christ, que c'est lui qui peut nous sauver. Cette église était à la riche, je vais aller les voir. Quand tu vas arriver là-bas, on va te dire qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont partis où? On va te dire, on ne sait pas. Toi et quatre de mes amis, ils sont morts subitement. Je ne sais pas si c'est moi qui est nest. Je ne veux pas mourir. Et qui est l'homme de Dieu? Où est l'église ici? Que Dieu peut aller cacher moi-même et prier? Attends. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est moi qui ai écrit ça. Non. This is the word of God. He said, the youth, you youth. Your beauty is deceiving you. You think that you are beautiful, no? Handsome, Bobo. You think that you are handsome? You are still deceiving women, carrying women up and down. You, that lady, you think that you are still beauty, no? You are still deceiving men. Sugar daddy, sugar mommy, everything you carry because you think that you are handsome, you are beautiful. See the word of Elohim here. Some of you are in a family that your parents are serving Elohim. And they are telling you to come and serve Elohim, but you prefer to be using your life stupidly. You prefer to be using your life stupidly. Elohim said, I should tell you, this word you have heard that you are turning your back into is coming to fight you. You will go up and down, north, west, east, to look for the truth. It shall not be found. Death will follow the youth. To listen that. They think that they are still young. Messages of Elohim is coming to you. You think that you are still young. You are still telling, Elohim to give you time. Time still there now. Time still there. Don't worry. It's already here. Oh, it's already here. If you think that it's long time process, no. It's already here. You don't see how everybody is changing the world. They are changing Bible. Creating their own Bible. China have done it. America, some states in America. America, they are doing it now. United States, that you people are running to. They are doing it. UK, they have done it secretly. You have not seen a confession of a servant of Elohim that they were arrested in UK. In the police commissariat, in the police custody. They took away this Bible and gave him another Bible that is saying another thing concerning homosexual, transgender. That testimony is in YouTube. Another Bible. Et écoutez-moi bien, vous les jeunes, regardez, continue. Soyez bien têtus sous la parole de Dieu. Soyez bien têtus sous la vérité. Prends le couton, ce couton, non? Frame tes oreilles bien. Prends le couton. Mets sous tes oreilles bien. Comme quelqu'un qui est diamant. C'est ça, non? C'est ça qu'on met, c'est le couton, non? Hein? Comme quelqu'un qui est diamant. Mets ça bien. N'attends pas quelqu'un. Il y a parmi vous qui a la grâce. Vous êtes dans la famille. Votre parent, il connaît Dieu. Il connaît Yah. Il connaît la vérité. Il vous a dit de parler de la vérité. Vous avez pris le couteau, de fermer votre oreille. En train de insulter Yah. Yah m'a dit, te dit. Il a dit, le ciel et la terre
Même s'il passe, il n'y a pas un de sa parole. Et il a dit, alphabet A ou B ou C de sa parole qui est dans sa bouche, qui va retourner à lui sans accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Amen. Un jour viendra, on est en train d'aller. Oh, tu ne vois pas, tu penses que le pasteur il ment, hein? Parce que vous n'avez pas le temps. La Chine, il a réécrit là, il a amené la Bible pour les plaire, la façon qu'il veut. Qu'est-ce que ça signifie? L'effacement de la parole de Dieu dans les pays. Et les autres vont sous ça parce que c'est le pays des dragons. C'est Lucifer qui est là-bas. Quand tu lis concernant la Chine dans le livre de Baruch, il va t'expliquer celui qu'ils sont. À part de ça. Ostage, je dis que vous, en train de dire, ah, le pays, très, qui, Babylone, qui est en train de diriger ce monde. Ils sont aussi, il y a beaucoup de villes aussi qui sont déjà, prend la même maison aussi, en train d'éliminer la Bible là, en train de produire les Bible et faire la loi contre tous qu'ils voient avec la Bible là. C'est en train de passer maintenant. Angleterre ici, c'était l'Angleterre. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici, qu'un homme de Dieu, c'est un blanc, un évangéliste en train d'évangéliser, on l'a arrêté. On l'a pris, frémé à la prison. Il a dit de prêcher contre LGDTV, avec les lesbiens à tout. Ils sont appelés la police, les arrêtés, amenés à la commissariat. Il est frémé là-bas. Il est là-bas. Maintenant, on lui. Ils ont arraché cette Bible dans sa main. On lui a donné une autre Bible. Dans cette Bible qu'on lui a donnée, avant d'aller à la tribunal, on s'est ouvert. L'île a été de parler, a été d'utiliser Romains 1. À partir de 23, a été d'expliquer. L'affaire des lesbiennes, vous avez changé comment le Seigneur il a créé la nature. La façon que l'homme et femme, la nature des sexes doit être. Vous avez changé ça, vous serez condamné et puni. Il dit, mais dans cette Bible qu'on lui a donnée, il dit, c'était un choc. Que dans le commissariat, dans la police, le commissariat qui a sorti cette Bible, on lui a dit, monsieur, évangéliste, voici ta Bible à partir de maintenant. Il a dit, pourquoi tu nous dis ça? Et voici, là que tu as dit, utilise là, voilà comment c'est écrit. Quand il a lu ça, il a dit, non, ça c'est pas ma Bible. Ça c'est pas ma Bible, ça c'est ta Bible. Maintenant, ça, c'est la Bible que nous, on utilise maintenant. Angleterre. Il dit non. C'est quoi que j'ai dit là? C'est dans le YouTube. C'est un moyen, c'est dans le YouTube. C'est dans le YouTube. C'est pas qu'est-ce que quelqu'un m'a dit, c'est dans le YouTube. Tu vas voir le monsieur, tu vas voir. Il a déjà sorti dans la prison, mais ils sont saisis. On ne lui a pas donné cette Bible. C'est cette faux Bible qu'on lui a dit de prendre. Il a dit jamais, je ne prends pas ça. Ce n'est pas ma Bible. Mais la police aussi dit, on ne veut pas te donner cette Bible. Continuez de vivre comme vous voulez. Continuez de vivre comme vous voulez. Alléluia. En cachet, il a dit, il est choqué. Parce que c'est un Américain, évangélique américain qui vit en Angleterre. Il dit, il était choqué. Que, hein? Ça que la parole de Dieu, il dit, il est en train de réaliser devant nous maintenant. Donc, en cachette, ils sont déjà changés toutes ces choses. Il a dit de crier dans YouTube, il a dit de parler que vous, les enfants de Dieu, levez-vous, levez-vous. Le combat que nous sommes, ce n'est pas un petit combat. Le ténèbre est déjà pris charge. Ils sont déjà changés beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Si je n'ai pas rentré.
si on ne m'a pas arrêté, ça que je vous ai dit de dire là, il dit, c'était car c'est encore dans le tribunal. C'est l'organisation de ces organisations de vraies chrétiennes qui est le vrai avocat qui m'a fait sortir. Il m'a fait sortir. Beaucoup de choses qu'on lui a dit de signer parce qu'il a refusé, dit il ne signe pas. Il ne doit pas prêcher, il ne doit pas passer, jamais. Puis c'est pour ça qu'on l'a gardé là-bas. Quand tu ne veux pas signer, oh non, ça, ok. Ça, c'est commissariat, ça, c'est police. Qui doit voir que les choses se font correctement. Vous avez la confiance avec toute votre police là. Alléluia. This is the police. Police. He is in the commissariat of police. Police. United Kingdom, UK. No ande bawa gawa. Ebune gla no slave. Adi ke zubere lu. Nsa la vune ga chotu ne geji. No shi ni metile ke bawa so. Onye ola na chu ego. Ego, 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 ego. Ego ge grogi one day. That's what you don't know. The enemy have entered you and have taken everything. Change law. The Bible says, don't you see what Daniel did not prophesy it? Laws will be changed. And when they will be changing this law, it will be underground, secretly. You will not know. You will just wake up and see that it has changed. You carry your Bible, they will give you another Bible. You say, this is not a... You will open, you, when you open that Bible, you will see that nothing is there. La Bible dit... Tu vas dire, hey, comment tout ça se fait? Comment ça se fait? Reste là-bas. Parce que tu vas dans l'église morte. Tu vas dans l'endroit morte. La, Daniel, il ne vous a pas dit ça. Que la loi sera changée. Tu penses qu'il ment? C'est parce que vous n'avez même pas la Bible. Et vous n'avez pas su la prophétie de la Bible. Et de la loi sera changée. La loi va changer. On ne peut pas te... On n'est pas vous consulter. Il n'y a pas la consultation des populations et les habitants encore avant de changer la loi. La loi va, Ishfa, le Nephilim, démon. Démon qui sont en train de diriger le monde là. Et change la loi sans vous informer. Mais le Seigneur qui l'a pas mis. Rappelle que celui qui est en train de parler là-bas. Celui qui l'a pas mis. Donc, tu ne peux pas aller demander, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Ah, il va te dire, tu ne vas pas. Dieu dit ça dans ma parole. C'est cela que toi qui as l'opportunité d'avoir la vérité aujourd'hui, garde ça bien. Garde ça bien. Le temps va arriver. Le Seigneur aussi, il va les parmi. Il va commencer de nous gorger. Tout ce qu'il trouve, il trouve la Bible là dans sa main, la vérité dans la main. Il va les emprisonner. Il va les, comme ils sont fait cette mission, on les amène là-bas, signé et dit que tu ne peux pas prêcher ça encore et dit ça encore et dit jamais. C'est ça qu'il a gardé là-bas, il a fait je ne sais pas combien de jours. Plus que 2 semaines ou 3 semaines. Tout ça que les gens disent de signer, jamais. Il est préparé pour mourir pour Yeshua. Combien de vous qui va dire ça? Listen to that testimony. It's in the YouTube. It's in UK here. UK here. Everybody walking up and down, they don't know what is going on. The Bible has been changed. In police custody, police, you know, that need to guide, that's supposed to guide the city, guide this. That's why you don't see them in UK now. If people are preaching now openly, before they used to preach openly, nobody arrest them. See now, if you are preaching, the police will come and arrest you. Because they have given them another Bible. They have written another Bible, kept secretly. This servant of Elohim is a white man, who is not even a black, white man, an American. He's an American living in UK, preaching, because he's preaching against the LGBT TV and the lesbian and all that. They now come and call police. They now arrest him. They took him into police custody. Took the Bible. Ask him, which Bible I use. Show them where condemn them in Romans 1 from chapter 23, 20 to 26, 27. Read it to the end there. You see it.
We have condemned them. You people that change the nature to artificial. Man is sleeping with man. Woman sleeping with man. Some people cut their human organ, put man on. Some people cut their man organ, put woman on. And you say, that life is okay. They arrest this man. The Bible police people bring to him that this Bible you should be using now. They show him that place. What is written there is another thing. The man said, this is not my Bible. This is not the Bible. They say, you must take it. That's the Bible that we are using now. We don't want to see this Bible again. The man said, impossible. I cannot take it. That is not my Bible. He said, okay, if you cannot take it, you are not living here. And we are not giving you also this, your Bible. Hallelujah. Elohim say, there will be famine of the world. The true word of Elohim. He is the one that say it. He is the one that will also empower them. Satan cannot operate if Elohim did not give him the power to go. Get that. In the time of Jacob, in the time of Job, remember, he cannot do anything to Job without the permission of Elohim. Hallelujah. Rappelle que Lucifer, Satan, ne peut rien faire si Yahuwah, il n'est pas dans la permission. Le temps de Job, il a demandé permission. Et le Seigneur lui a donné. Pour aller tempter son enfant. Tenter son enfant. La même chose aussi. Pour nous tenter aussi. Le Seigneur va aller. Et c'est ça qu'il nous a dit. Ça là, c'est il nous a dit avertis avant que ça vienne. Le temps viendra. Mes enfants, le temps viendra. Mes enfants, le temps viendra. Et cet homme a déjà commencé de voir ça. Les gens, le chef d'État et tout, ils détestent la parole de Yeshua HaMashiach. Ils sont en train de créer tout le moyen pour effacer la parole de Yeshua. Le monde déteste la vérité. Il sait que la parole de Yeshua là, il les condamne. Donc il ne fait pas quelque chose qui les condamne. Alléluia. Lucifer ne fait pas quelque chose qui les condamne. C'est pour cela que tout, quand il va faire ça, il y a beaucoup de leurs pasteurs maintenant qui sont déjà commencé à utiliser ce niveau Bible, à te prêcher. C'est pour ça que dans ce niveau Bible, j'ai déjà écouté, bien les gens qui ont lu ça, ils sont en train d'expliquer. Dans ce livre, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le péché dedans. Tout c'est Dieu de la Dieu, c'est Dieu de l'amour. Le catholique, Empire romain là-bas, chef du Vatican, il a ça. Tu te vois dans le site du Vatican, c'est là-bas. C'est publié là-bas, c'est correct là-bas. C'est là-bas. Tu vas trouver cette Bible là-bas. Les gens vivent dans l'aveugle. Les faux églises partout. En train de conduire les gens à l'enfer. People are living in blindness. Go and get many nations, many of all your head of state, all of them. They are into it. They are changing the word of God. They are financing and sponsoring to abolish anything concerning Elohim. Because they know that this the word of God condemns evil. And because they are evil, they look for a way to abolish the Bible. Sinners love sin. Sinners love sin. That's another message also. Next time. Le péché, il aime le péché. Le péché, il aime le péché. Tous qui sont le péché, s'ils voient comment t'éliminer, parce que tu les parles de son péché, il va t'éliminer. Alléluia.
Sinners love sin. Anyone that is a sinner, when you are pointing out his sin unto him, if he will get any means to eliminate you, he will eliminate you. Sinner love sin. Tous qui vivent dans le péché, quand tu lui parles, adressé à son péché, au lieu de repentir, s'il voit l'opportunité pour t'éliminer, il va t'éliminer. Il va te faire quitter dans sa route. Obligatoire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et God réponse. Amen. Alléluia. Ok, allez-y. Verset 14. Mm-hmm. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu Dan, vive le culte de Beersheba » Ça va. Tomberont et ne se le reverront plus. Ça va. Alléluia. Amen. Ça va. Que Dieu soit glorifié. Amen. May the Lord be glorified. Amen. Scarcity of the true word of Elohim. Famine of the word. Le titre de cette message c'est « The famine of truth ». La famille de la vérité. La famine de la vérité. La vérité va disparaître. Tu vas chercher la vérité, tu ne trouves pas. Tu vas aller à gauche. Tu vas voyager, tu vas faire tout. Les jeunes. Je vous parle, les jeunes. tu as endoucé ton cœur, mais le temps va arriver. Quand tu vas commencer de voir la mort, même dans ta famille, les jeunes contre toi, que vous avez fait la tête dure contre le Seigneur, tu vas voir subitement, la mort subitement sur eux. Peut-être c'est toi seul qui va rester. C'est toi seul maintenant qui va commencer de courir que... Ah, comment? Hein? Mon petit sœur, il est mort. L'autre est déjà mort. On est en train d'enterrer l'autre. L'autre aussi vient de mourir. L'autre aussi vient de mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est pas ça que la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux chercher l'église? Où est le pasteur là? Oui, ils sont où? Je vais aller là-bas parce que, ça que ça là. Ok. L'autre, il est à la morgue. L'autre, il est à la maison. L'autre, il est dans la route. Ils sont tous mourus. Subitement comme ça. Attends. Alléluia. Amen. You will be shocked. Youth. Hey. No problem. You are enjoying the world. You are enjoying this world. Abi, don't worry. When you begin to see death of the youth, even your own friend, or even your own brother in the family, maybe you are 6 youth today. 4 is dead. The body is still fresh. They are still looking for how to bury them. Then it remains only you two. And you hear again that the other one is also down. Maybe sick. Nobody will tell you. You begin to run. That word you put continually on your ear that you cannot hear. You begin to run. Bible said to the north, to the south, to the east, to the west. Looking for that man of God, that place you have heard the truth. And the Bible says you get there, you will not find them. I will show you how you will not find them. It's a mystery. Mystery is coming on this earth. Prophecy is repeating again. Hallelujah. Je vais te montrer, c'est un mystère de Yahuwah lui-même. Je vais te montrer dans la Bible, comment il va faire ça? La prophétie de la Bible a été réalisée encore. Il a déjà fait ça avant, oui. Et il va répéter ça encore. Il a dit dans sa parole, il n'y a rien qui est en train d'arriver dans cette mort qui est encore nouveau. Il a déjà arrivé avant, il va répéter encore. Alléluia. He said his word, I will do it again. Is there anything that is happening on this earth that is new? He said no. It has happened before. It will repeat again. Alléluia. Encore, je vais les refaire. Encore, je vais les refaire. C'est ça qu'il a dit dans sa parole. Tu n'as pas vu ça dans la parole de Dieu. Là, je vais te montrer.
Dans le livre de Joël, Joël 3. Lis-moi verse 1. If you don't, you have not seen it, I will show you in the Bible. Another person, get me. Haggai. Haggai 2, 6. Alléluia. Une autre personne, trouve-moi. Haggai. Haggai 2, 6. Alléluia. Another person, get me. Haggai 2, 6. Haggai 2, 6. And Joël. Et il y a plein dans la Bible. Il y a plein d'endroits dans la Bible. Il a dit ça. Encore, je vais le faire. Encore, je vais le faire. Alléluia. Amen. Joël chapitre 3, verset 1. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captives de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Vous êtes dans quel verset? Joël, chapitre 3, verset 1. Allez-y. Qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Allez-y. Verset 3. Verset 2. Vous avez déjà lu le 2? Le 2, je suis au 3. Ok, lis le 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Non. Ok, aide-moi à lire. Anglais, lis. Help me read English. For behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah. When I shall bring again. Alléluia. When I shall bring again the captivity of Judah. That means you have done it before. Alléluia. Lis-moi encore en français, verse 1, chapter, verse 1. C'est pas ça? Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judah et de Jérusalem. Ah, c'est ça que vous avez. Il dit encore. Quand je les ramenais encore. Quand je les ramenais encore. Ça veut dire qu'il a déjà fait ça. Une fois. Et ça va répéter encore. La répétition des prophéties. Il n'y a pas quelqu'un qui a encore. Quand je les ramenais encore. Alléluia. S'il n'y a pas dans votre Bible. Va dans le agir encore. On va voir dans agir. Regardez, c'est pour cela qu'ils sont en train de disparaître la parole de Dieu. Tu as vu la vérité est en train de disparaître. La fabrication de la Bible, lui là il fabrique, l'autre il fabrique. C'est un peu comme ça, ils sont en train d'effacer la parole de la vérité. You see it that you are finding where he's saying, the Bible that have, I will bring them again. That is the second time. He will bring them again. Many times I've been bringing them. The word of God, prophecy, repeat. There is a repetition of prophecy in the Bible. You see, the disparition of the word of truth. All of them, NIV, this one, Bible, King James, New, everywhere. Many are just creating Bible to wipe away the word of truth. As China have created their own to wipe away the word of truth. As Vatican have created their own to wipe away the word of truth. As United States and other countries and the UK have created their own to wipe away the truth. Europe, France also, their own is secret because this country is so secret. Secret and wicked. We don't know the one they have also created. Hallelujah. Amen. You see? Comme tout le pays a été de créer la Bible, spécialement le pays européen, Babylone a été de créer toute la Bible. Qu'est-ce que tu as été de faire? Effacer la Bible. Effacer la parole de la vérité. Et Yeshua, il a dit dans le livre de Amos. Les gens, ils vont soif de la vérité. Les gens, ils vont aller à gauche, à droite, la vérité, il n'y a pas. Ils ne peuvent pas trouver. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas correct. Là, les gens, là, la Bible va dire, les gens ont soif. Il va dire, les gens, ils sont contents de ça qu'ils ont trouvé.
Là qu'il a dit, les gens sont allés marcher à gauche, à droite, nord et sud et l'est et tout. Il va dire non, les gens sont ok où qu'ils sont. Pour vous retenir dans les bêtises. Alléluia. Ils sont en train de fabriquer toutes les Bibles partout. La Chine est là pour eux. Aux États-Unis, Empire romain, Vatican est là pour lui. Aux États-Unis, il est là pour lui. La France est là pour lui aussi. C'est un pays secret, caché. Piège depuis pour des dieux. Quand il va sortir pour lui, vous allez voir aussi. Sylvestre ne connaît pas parler le français. Mais les gens qui vont écouter la vérité, peut-être il va commencer de chercher où le chien de Sylvestre il est pour écouter. Tout, il va déjà élever tout dans le YouTube. Tu ne peux pas trouver tout ça. You will seek for in the YouTube and the internet. Those men of God are speaking the truth. You will not see them. Sylvester, you go there. You see, he's there now. You don't want to watch it. You go there. You will not see him again. We have wiped it off and replaced them with satanic preachers, demonic preachers that will be preaching what you want to hear. Hallelujah. Amen. Where the Bible says the people, they will be thirsty for the word. They will tell you that the people are enjoying the word. That's what they will write. In their own Bible. Hallelujah. Amen. Vous avez trouvé? Agé chapitre 2, verset 6 nous dit. Agé chapitre 2, verset 6. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mm-hmm. Une fois encore. Une fois encore. Ça veut dire qu'il a déjà fait. C'est déjà fait. Donc, ça veut dire qu'il y a la répétition des prophéties. Amen. Alléluia. Une fois encore, in the book of Haggai, chapter 2, verse 6, it said, and again. That means this prophecy is repeating. You have done it before, it will repeat. Alléluia. Amen. Une fois encore, c'est ça que je veux prendre. Et dans un peu de temps, cet temps est déjà complet. Je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Thank you. Les trésors de toutes les nations afflueront. Yes. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Son temple sera rempli. Israël sera rempli. Israël sera rempli. Il va les restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions qui sont volées, le Seigneur va récupérer tout. Amen. Alléluia. Amen. That is what he's going to do. Just a little while. I will shake this world, shake this earth, shake heaven, shake the water, shake everywhere. Every nation will suffer. The nation of this earth. Every one of you that have made my people cry. My temple have suffered in your hand. My temples have suffered in you people's hand. I will deal with every one of you. You will know that I am Elohim. I will restore their glory. The glory of this temple. The glory of Hebrew Israelites. The glory of my children. I will restore. Hallelujah. Amen. Thank you. Verset 8. Ça va. It's okay. Thank you, Abaya. Now we are going to see something. The disparition. How there will be scarcity of the world. Écoutez bien maintenant. Comment le Seigneur, tu vas faire ça, ça va? Il y a la famille de ta parole. On pense que tu es Dieu de l'amour. Dieu qui aime tout le monde. Dieu qui aime le sexy. Dieu qui aime le voleur. Dieu qui aime le tricheur. Le tueur et tout. Comment tu vas faire ta parole disparaître? Encore. Ça va répéter. Encore. J'ai déjà fait ça avant. Je vais faire ça encore. Écoutez ça bien. Je vais te montrer dans la Bible. They will say, Pastor, how do you say? The Lord will withdraw his word. He will withdraw it. He has done it before. He will do it again. Let me show you how he is going to do it.
in the book of. Je vais te montrer comment il va faire ça. Dans le livre de Joshua. The book of Joshua. Alléluia. Let us go, first of all, in the book of Ezra. Ezra, chapter 5. Je vous avais dit le livre de Ezra, chapitre 5. Depuis quelques jours que vous devez aller étudier, je pense que je vous avais dit ça. Le livre de Ezra. De Ezra, chapitre 5. Second Ezra, chapitre 5. Second Ezra, chapitre 5. Comment le Seigneur va faire ça? Regarde la prophétie d'Amos dans le livre de prophète Ezra encore. Il a donné prophète Ezra. Quand la prophétie de Dieu, il répète, il donne chaque de son prophète. Alléluia. Chaque de son prophète va les dire. Va les dire. L'autre va prêcher. On va les manquer, s'amuser avec les tuer, détruire, on va les prendre, on va les gorger. Le Seigneur va prendre son enfant. Retournez, viens t'assieds-toi. Tu as fini ta mission, il n'y a pas de problème. C'est Dieu de patience. Il va encore envoyer l'autre personne. Alléluia. Amen. On va les prendre encore. Tu y fais n'importe comment. You see how Elohim operates. It's a patient Elohim. The same message he gave to Amos. He has given it to prophet Ezra. Ezra prophesied it. That's how he operates. His prophecy is going to repeat, and your pastors are not seeing it to tell you. It is his prophecy will be repeating, and they are using their philosophy and theology to block the prophecy of Elohim. Babylonian teaching, Christianism teaching, Roman Empire teaching. They use it to be blocking the prophecy. They use it to wipe away the prophecy of Elohim. But his word cannot die. And he cannot fade away. Impossible. He renew it every morning. Hallelujah. Amen. It's all utilized. Learn prophecy, learn philosophy, and learn theology. We continue to efface and block the prophecy of the Bible. Learn enseignement de Babylone. Enseignement de l'Empire romain. Ils sont en train de l'utiliser pour bloquer. Et penser qu'il peut bloquer la prophétie de la Bible. Impossible. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Isaïe, il a prêché et marché nu pour avertir le peuple de Dieu pour la colère de Dieu qui va tomber sur eux. Il n'est pas à attendre. Pour trois ans, un prophète de Dieu est marché nu. Pour 3 ans. La même chose, c'est ça qui est dans nos têtes jusqu'à aujourd'hui. Au lieu d'écouter ça qu'il a dit de parler, on l'a dit d'insulter, il est déjà devenu fou. C'est ça, c'est quel Dieu qui te fait des marchés nus comme ça, sans babouche, sans tout, tu es en train de prêcher. Tu es devenu fou. Sylvester, tous les gens n'ont pas porté le pantalon, porter ça. Vous êtes sept, hein? Vous êtes malade dans votre église là, vous êtes sept. Ah, je ne viens pas. Il n'y a pas de problème. La même chose que vous avez fait contre tous les prophètes de Dieu. C'est ça que vous êtes en train de faire. Il arrive. On va connaître qui est qui. Alléluia. Amen. Let me tell you something. Isaiah walked naked. Without shoe. The Bible says, no babouche. No shoe. No sandal. With bare leg. For how many days? Not days. For 3 years. 3 years. Isaiah 20. Isaiah 20. Tu vas trouver ça là-bas. Isaiah 20. Prophète Isaiah. Et toute votre Bible, la Bible que vous avez la main là, quand Sylvester parle, on vous demande, vous ne connaissez rien, donc bientôt va arracher, vous ne pouvez pas voir cette Bible dans votre main. Ce sera les gens qui ont la parole de Dieu dans leur cœur qui va réussir, qui va avancer. C'est pour cela que cette prière dit, priez pour
avoir le champ de Dieu pour retenir la parole de Dieu dans ta tête. C'est pas que tu as écouté quelque chose aujourd'hui, on te demande demain, tu es devenu zéro. C'est un démon qui a été débattre avec toi. Hein. Bientôt, ton portable, ton, la Bible que tu as dans la main et tout, là, il va arracher tout. That's why you need to know the word of Elohim now. And have it in your medulla oblongata, let it enter there. Because very soon, what they are doing now and they are working on, the word of Elohim. I was listening to yesterday, a man was revealing the plan of the World Health Organization and all their plans and programs. I was shocked when I was listening to it. What they are planning now to do. The next pandemic they want to bring on this planet. Very, very tough. The code, your code, your passport, everything they have set up on. The man was revealing it. It's a white man, was saying very seriously at the loss. He said, from now to in the next 6 months. Hallelujah. The Bible did quelque chose. Quand they do that, they did ça ici. Hier, j'ai tombé sur cette. Le Seigneur me fait tomber sur cette information. Un monsieur, c'est un journaliste, il est en train d'interviewer. Ça, il a dit de dire quelque chose. Il dit, c'est un risque, mais il va dire. Il dit, c'est une fois que quelqu'un est mort. Mais je vais dire toute la vérité. Le plan, le programme de l'Organisation de la Santé a été de faire maintenant pour le next pandémique qu'ils sont en train de programmer pour envoyer sur les gens. Il dit que ça sera terrible. Il dit pendant 6 mois, dans 6 mois, il va commencer, il dit tout. Ça qu'il a dit, c'est la vérité de la Bible. C'est quelqu'un aussi qui connaît Dieu parce qu'il a utilisé le mot de la parole de Dieu. Il dit toute la loi. Il dit tout le monde maintenant doit savoir que toute la loi s'est passée en secret. Tout réveillé, tu trouves seulement la loi. Tu dors avant que tu réveilles, la loi est changée. Il dit savoir ça. Et c'est ça qu'ils sont programmés maintenant. Il dit c'est grave. C'est pour cela que je suis là pour continuer de réveiller tout. Et c'est ça qu'ils ont fait avant, c'est le mensonge. Mais ça qui va venir maintenant, c'est pur. Il est obligatoire, tu vas avoir ton code. Obligatoire. Il dit, sans code, tu ne peux pas même bouger. Passeport. Communication et tout. Il dit, ça sera grave. Tout ce qui refuse ça, on va aller. Soit que tu seras en prison ou il va chercher comment t'éliminer. Ils ont dit, quand il va dire aussi les gens que, ok, quand vous ne voulez pas prendre, les gens qui ne veulent pas prendre, on va les amener dans un camp, là où il va donner. Il dit, si tu vas là-bas, tout ça qu'on va commencer, on te donne là-bas, c'est petit à petit pour t'éliminer. Et il a dit, ça qu'ils sont en train d'amener maintenant, c'est pas seulement dans la vaccine, le tablette pour boire, et tout, ils ont fait ça dans toutes choses des médicaments. C'est pas seulement injection. Alléluia. Le programme de dépopulation n'est pas encore terminé. Alléluia. The man says, what they are planning now is so heavy. It's not like the former one. This one will be so heavy. And they have programmed the poison inside the tablet. Not only in injection now,
inside tablets, inside this, and then they will force you. You must take it. If not, so you will not go anywhere. And if you say you not go anywhere, there will be a place government provided for those who doesn't want to take. If they take you there, he said, whatever they are giving you there will gradually be eliminating you. The program and the plan of the population continues. No problem. Let us see the word of Elohim. In the book of 2 Ezra, on continue, I don't leave the la famille, la femme, famille de la parole. Prophet Ezra, il a vu ça aussi. Ezra saw it from verse 1. Second, par la grâce de Dieu, je vais faire tout la possible pour commander ma Bible. Qui a tout cette chose. Mais je ne sais pas si. Je vais demander à la personne parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Mais c'est il y a un soignant qui va m'aider à envoyer ça. Mais je vais lui demander s'il y a pour français. Oui, si je vais demander. Je ne sais pas. Parce que français ne fait pas la vérité. Le francophone, français, c'est pour ça qu'ils ont mis tout le monde en France, en francophone, dans le piège de n'importe quoi. Il ne fait pas la vérité. Le mensonge, si c'est le mensonge, c'est bon pour eux. Mais c'est la vérité, non. Ils détestent la vérité. Et que Dieu les délivre au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen. Alléluia. Verse 1 dit, verse 1 of the second book of Ezra, chapter 5, says, nevertheless, as coming the tokens, est-ce que vous avez trouvé ça en français? Oui. As coming the tokens, behold, the days shall come that they which dwell on earth shall be taken in a great number. And the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith. That's the verse 1, the verse 2. But iniquity shall be increased above that which now thou seest, or that thou hast heard long ago. That's the verse 2. And the land that thou seest now to have root, shall thou see wasted suddenly. That's the verse 3. But the verse 4. But in the Most High grant thee to live. If the Most High grant thee to live, if he grant me and you to live, si l'Éternel nous permet de vivre, thou shalt see after the third trumpet that the sun shall suddenly shine again in the night. And the moon thrice in the day. Si le Seigneur nous permet de vivre, on va voir qu'à la fin de toutes ces choses, le Seigneur, tant que le temps, le Seigneur va prendre contrôle, tout ce sera restauré. Mais il va déjà d'abord éliminer tous les méchants là. Le 5. And the blood shall drop out of wood, and the stones shall give his voice, and the people shall be troubled. And verse 6. And even he shall rule. When they look not for that dwell upon the earth, and the fowls shall take their flight away together. Alléluia. Je vais d'abord rester là-bas d'abord. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur a en train de parler ici? La confession de Amos, verse 1. Si quelqu'un il peut m'aider en français. If somebody will help me read in French, verse 1 of Second book of Ezra, chapter 5. C'est quelqu'un qui peut aide-moi à lire le verse 1 de Ezra, chapter 5. C'est anglais pour vous? Mm-hmm. Y a pas français? Vous n'avez pas trouvé en français? Ok. Chapitre 5. Oui, chapitre 5. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai lu prophète âgé, ça commence Ezras. Oui, Ezras chapitre 5. Uh-huh. Le verset 1 commence par les prophètes âgé et Zacharie. Non? Verse 1. Non, il n'a pas commencé. Nevertheless, as coming the token, il a commencé que ça qui va venir. Il a commencé que tout ça qui va venir. Behold, the days shall come. Il dit. Le jour viendra that they which dwell upon earth, tous qui vivent, tous les habitants de la terre, il va avoir un grand, il va partir un par un.
Le Seigneur va les prendre un par un. And the way of truth shall be hidden. Les gens qui vivent sous la terre, le saint, il va partir un par un. Les gens vont les limiter. Il va mourir. Ça, c'est la soif de la vérité. Le Seigneur va prendre ses enfants un par un. Alléluia. What is telling Ezra here? A day is coming. I will take my children one by one. I will take them, those one who have the truth, who I have given, I will take them one by one. I will take them. You are fine, French? I will take them one by one. I will take them one by one. Those that are preaching the truth, I will take them one by one. It's a mystery. I will remove them from this earth. I will take them. It's not rapture. Those are saying rapture. I'm going to show you now in the Bible. Even though if it's rapture, it's Elohim doing his own rapture. Alléluia. Ce n'est pas l'enlèvement. Oh. C'est le Seigneur qui va les prendre un par un. Je vais te montrer s'il a déjà fait ça. Avant. Après, il a dit Ezra, c'est ça qu'il va faire. Je vais les prendre, mes enfants, un par un. Tout ce qui dit la vérité, tous mes prédicateurs, tous mes savants, tous mes enfants qui disent la vérité, je vais les élever dans ce monde, un par un. Alléluia. Ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est l'enlèvement de Yeshua. C'est lui-même qui va les prendre. Par la mort, il va les prendre. Par persécution, par couper les têtes, par n'importe quoi. By killing them, by cutting their head, by doing everything, he will remove them one by one. Have you done it before? Yes, I will show you now. You remove them. Alléluia. Alléluia. Now, after he removed them, thank you, Abaya. He will remove them one by one. If he has it done it before, yes. Let's go to the book of Joshua. Est-ce qu'il a déjà fait ça avant? Oui. Va dans le livre de Joshua. Maintenant, dans le livre de Joshua. En français, c'est... Joshua. Joshua, hein? Comment s'appelle Joshua en français? Just. Livre de Just. Hein? M'a vous dit Joshua. C'est le livre de Just. The book of Joshua, chapter 5. Chapter 5, from verse 1. Le livre de Joshua, chapter 5, à partir de verse 1. Est-ce qu'il a déjà fait ça avant? Le prophète Joshua va nous répondre. Let the book of Joshua respond us now. Have you done it before? Yes. The book of Joshua will answer us. For them who doesn't know that the book of Joshua, you will find it, the book of Joshua is in the Bible. They remove it. It's in the Bible, you will find it with Joshua. Joshua, I think 10, 13, you find it there. You find it in the 2 Samuel, it's there. The book of Joshua, they are there. They remove it. Alléluia. Qui est là-bas, en français, qui a trouvé le livre de Joshua? Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça en français. Personne n'a pas trouvé ça. Si tu lis ça tout le temps, ça va... Ça va rester dans ta téléphone. Si tu lis cet livre, attends que tu n'aies pas encore ça, il les donne ton téléphone. Parce que quand tu lis ça, quand tu fais ça, ça va rester dans ton téléphone. Alléluia. Aide-moi à lire, si vous êtes là-bas. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, du livre juste, verset 1. En l'année 84 la vie de Noah, Enosh bien chète mourut. Mm-hmm. Il a mouru. OK. Âgé de 905 ans. Et dans le 179e année de la vie de Noah, Kéna et Enosh mourut. Et tous les jours de Kéna furent de 910 ans. OK. Verset 3. Et dans les 234e année de la vie de Noah, Mahalalel ben Kenan mourut. OK. Et les jours de Mananaël furent de 895 ans. OK, OK. Vous êtes dans le verset 2. Verset 2. OK. We are in second. Let me read it for you. Go and get the book of Joshua. Go to your internet. Go to Google. Get the Bible. Your Sefer Bible. There's Bible that are now the truth have been is in them, everything. The complete Apocrypha, the book of Apocrypha they remove from the Bible is complete. It's Bible. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas, va chercher la Bible qui a l'apocryphe.
Tout le livre qui sont élevés dans la Bible là, c'est le vrai Bible. C'est la parole de Yeshua. Le Babylone ça a élevé ça parce que ça les expose. Ils voulaient enlever ça et remplacer eux-mêmes. C'est ça qu'ils sont fait. Mais grâce à Dieu, la fin de temps, le Seigneur, quand il a promis Daniel, il est en train de les exposer aujourd'hui. En train de restaurer sa parole correctement. Go and get it. Mais c'est what pastor is reading is not in the Bible. It's in the Bible, the book of Joshua. There's a lot of the book of Apocrypha. Go and get it. Bible that contain all. The Babylon remove it. The Gentile remove it. The Nephilim remove it because it expose them. Expose them. If we have all these things, we will not mess up with our Elohim. Si nous, on avait tout cet livre, on ne peut pas devenir n'importe quoi aujourd'hui avec notre Elohim. Ils sont retirés tout pour nous faire devenir comme eux. Alléluia. Donc, we have read, Joshua from verse 1 was speaking about this saint. These are the people that follow Elohim. Joshua, à partir de verse 1, il a dit de parler la mort de tous ces gens. La mort de tous ces gens, c'est tous qui a sous le Seigneur, dans la lien de Adam. Tout ce qui a sous le Seigneur. Maintenant, quand tu vas arriver dans le verset 6, when you come to verse 6, what did he say? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 6? Après la fin de plusieurs années, dans les 480e année de la vie. Non, lis le verset 5. Le 25, commence le 25. Let us start from verse 5. Le verset 5 nous dit, et tous ceux qui suivaient Adonai, tous ceux qui fait quoi? Qui suivaient Adonai. Tous ceux qui fait quoi? Suivaient Adonai. Tous ceux qui fait quoi? Suivaient Adonai. And all who followed Adonai, who followed Yah, died in those days. Mourut en ces jours. Avant qu'ils ne visent le mal qu'Elohim déclara de faire sur la terre. Avant que Elohim déclara le mal qu'il va faire sur la terre. Avant qu'il vit, qu'il ne peut pas voir le mal qu'Elohim va faire sur cette terre, sur cette monde. Il a pris tous ses enfants. Mais il a laissé aussi un peu. Un peu là, c'est qui? Noé avec ses enfants. Continuez-vous donc l'évangile. Avertissez-les, ça qui va venir. Il a laissé Noé. Il avait commencé avec Noé, avec Methuselah. Après aussi, il a retiré Methuselah. C'est un mystère, ça que tu as. Je vais te montrer quelque chose. On est en train d'aller. Alléluia. Amen. Comment cette terre sera soif de la vérité. C'est le Seigneur qui va faire ça. Alléluia. Amen. Tu vas nous tuer bien, nous. Tu vas me tuer. Je n'ai pas peur de la mort. Quand je vois tout ça, Dieu sait celui que mon papa il est. Amen. Alléluia. Amen. You see it? You see the mystery? Get this mystery. Your pastors cannot tell you this. They don't know only. They don't know it. And they don't want to know. Tout votre pasteur ne peut pas vous dire ça. Il ne connaît pas, il ne veut pas aussi connaître. C'est pour cela que vous êtes dans l'aveuglement. Tout ça, c'est un mystère de Yah. Ces enfants, non, ne participent pas. C'est pour cela que savent tout dans l'esprit, dans la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'Apocalypse 3? Parce que tu as gardé ma commandement et tout. Moi aussi. Le jour de mal là qui va venir, je vais te garder. Soit par la mort, il va t'élever. Soit par... Il sait comment il va te... Il va faire ça. Alléluia. Do you hear what he says? In Revelation chapter 3, verse 10, he said, because you have kept my commandment, because you walk in my commandment, I myself will protect you, will save you in the day of this trial that is coming on this earth. I will save you. Whether it's by death, he will remove you. Whether it's by keeping you aside, he knows how you do it. It's only him that knows it. It's Elohim. Omnipresent, omniscience. The Lord that never fails. He will do it. Hallelujah. Amen. Okay. This one, maintenant, le verse 6. Let us come now to verse 6.
Après la fin de plusieurs années, dans le 480e année de la vie de Noah, lorsque tous ces hommes qui suivaient Adonai moururent au milieu des fils des hommes, et seulement Methuselah suivait encore, Elohim dit à Noah et à Methuselah disant, parlez. Et proclamez au fils des hommes, disant, retournez de vos mauvaises voies et abandonnez vos mauvaises œuvres. Et Adonai se repentira du mal qu'il a déclaré vous faire. Thank you. Ça va. you see what is happening there? Verse 6 says, and after the lapse of many years, in the 480 years of life of Noah, When all those men who followed Elohim had died away from among the sons of men, and only Methuselah was then left. Elohim said unto Noah and Methuselah, saying, now I am going to give you people new commission. Go. And warn these people. Alléluia. Le Seigneur l'a gardé seulement Methuselah et Noé dans cette monde. Maintenant, j'ai une mission pour vous deux. Va vous encore aller avertir les gens là. Va vous encore évangéliser. Va vous encore leur dire ça que j'avais fait contre eux. Mystère de Dieu. And they went. He said, speak, verse 7. Speak ye and proclaim to the sons of men, the wicked people that are refusing the word of Elohim. Va aller proclamer, va aller évangéliser, aller habitants de la terre, les méchants qui ne veulent pas écouter l'évangile de la vérité. Va les dire. Say, tous ces Elohim, que l'éternel Elohim, il a dit, return from your evil ways. Retournez-vous. Quittez-vous dans votre vie méchanceté. Vie de péché. Votre publicité. Votre adultère. Votre mauvaise vie. Sortez-vous dans cette vie. And forsake your works. Laissez-vous toute votre mauvaise œuvre. Et vous faites tous les jours. Laissez-vous. And the Lord will repent. Et le Seigneur va repenter. Le Seigneur voulait repenter. Il voulait repenter. Si tu changes, il repente. C'est ça qu'il a déjà dit qu'il va faire contre toi. Si tu repentes, il va repenter aussi. Tu as vu l'amour de Dieu que les gens ne comprennent pas. L'amour de Dieu, c'est que le péché, il repente, que lui aussi, il repente sur ça qu'il voulait faire contre toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas que le péché contrôle dans le péché. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme c'est pas que le méchant contrôle dans sa méchanceté. L'amour de Dieu, ce n'est pas que la fornicateur adultère, divorce et remarié, et contrôle dans sa divorce et remarié et continue de faire mal. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu contrôles de surtout l'homme de Dieu, surtout la vérité, surtout ça qui vient, qui doit te repentir et tu dis que c'est l'amour de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le péché. Répenter, que lui aussi peut répenter sous ça qu'il a déjà proclamé qu'il va faire sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vivent, vous pensez que Dieu c'est qui? N'importe quoi que tu